Bonsoir tout le monde! Avant match ce soir de Canadien de Montréal qui affronte les Blues de Boston à hockey sans limite. On va dire un plus gros test que les deux derniers matchs du Canadien contre les Devils et l'Avalanche. Là. On n'en reviendra pas sur le match de l'Avalanche. Malgré qu'on va peut-être demander à deux de nos panélistes qui sont là ce soir ce qu'ils ont pensé de ce match-là absolument rocambolesque, on va le dire comme ça. Bon, ben, il m'est pas coupé encore, fait qu'on va passer tout de suite la parole à Élie. Élie est en forme. T'es fucké, hein? Ouais, t'es fucké quand je te coupe pas. Il me semble que t'avais supposément 30 secondes de préparer d'intro, mais non, après 10 secondes, t'es habitué que j'arrive et que je fasse quelque chose de déplaisant. Je l'ai pas fait, mais en fait, je l'ai fait après 30 secondes. Ouais, c'est ça. Bon, vous avez entendu Élie. On a aussi Mike ce soir qui est là. Oui, Mike qui est là. Ouais, en fin de compte, le show de Passe-Partout est annulé. Fait que Mike peut être avec nous autres. Fait qu'il est en forme, Mike. Ah, ben en forme, j'ai juste quelque chose à dire, va chier Lee. Ça c'est pour le show d'hier, puis c'est tout ce que j'ai à dire pour l'intro. Et on a Samuel, il est en forme mon Sam? Yes, en pleine forme les boys. Yes sir. Je vais y aller tout de suite, je vais faire une annonce suite pour... Je vais le faire, c'est moi personnel qui le fait, là, tu sais, cette chose-là, pour le Téléthon du Canadien de Montréal. C'est quand même une bonne cause. C'est pour les enfants malades. Donc, je vais donner le numéro de téléphone à ceux qui veulent faire des dons, que ce soit 1$, 5$, 10$, 20$. Allez-y comme vous voulez. C'est quand même pour aider les enfants qui sont malades. Donc, le numéro de téléphone pour les rejoindre, c'est le 1-888-925-2133. Vous pouvez aussi envoyer un message texte que vous avez composé ABS au 45678. Et par internet, faire un don au www.unbutunaide.com. Alors, c'est ça. C'était pour permettre à ces enfants-là de pouvoir mieux vivre dans le temps de Noël et leur vie en général, des enfants qui sont malades, qui ont des cancers et tout. Donc, ça, c'était mon initiative. Bon, c'est un beau geste, Yannick. Mais j'aimerais ça en profiter parce que ça me fait penser, ça fait 6 shows que c'est marqué sur ma feuille. J'aimerais remercier Lizzie du blog et de l'excellent podcast Go Foot Yourself, que pour les fans de soccer, vous le connaissez peut-être. Lizzie, c'est une des personnes les plus influentes dans la petite communauté de l'Impact. Et elle n'arrête pas de retweeter nos shows. Elle nous donne la promotion, même si c'est pas dans son bracket, même si on n'a rien demandé, même si... On le fait pas nous autres parce que tu sais, j'y pense pas en fait. En tout cas, je voulais juste la remercier parce que la promotion qu'elle nous fait, veut pas, ça nous amène des auditeurs. Puis en même temps, je voulais lever mon chapeau à Lizzie qui fait un excellent job sur Twitter puis sur son blog ainsi que son podcast. Bon, c'est fait. Il y a déjà une demande spéciale sur le chat, Élie. Sylvain, ouais. Notre ami français, il veut t'entendre dire fuck les Bruins. Fuck les Bruins, man! Bon, lui, ils aiment pas. Vraiment, ça, vraiment pas. Pas chose pour pas dire ça. Là. Non, c'est ça. Je pense pas que je t'ai forcé à dire ça non plus. Non. Mandez-moi pas ça dans une garderie, par exemple, il va y avoir un malaise. Ça va sortir automatiquement. Là, Pourquoi une garderie, tu sais? Les enfants, je vais pas dire ça devant les enfants. Non, c'est sûr, mais je suis sûr que même eux autres doivent le dire. T'sais. Si t'es élevé en étant un partisan des Canadiens, normalement, un fuck Bruins, ça sort jeune. C'est peut-être les premiers mots que ces enfants-là peuvent dire des fois. Bon, on va revenir sur un sujet qui est sorti aujourd'hui de TSN 1200, TSN 1200, si tu peux appeler ça, c'est l'animateur de radio Dean Brown qui a sorti l'effet que l'agent de Drew Doughty aurait fait des pressions auprès des journalistes pour que le vote du Norris a été de son côté. Parce que lorsqu'on rapporte Brown, l'agent représenté par la défenseur vedette New Sport Management aurait mis de la pression sur les journalistes responsables de passer au vote et aurait même menacé ces derniers que s'ils ne votaient pas pour Doughty, ils n'auraient plus accès à aucune information privilégiée de leur part. C'est des accusations extrêmement lourdes sur l'agent de Drew Doughty et de Eric Karlsson, on va le dire, c'est le même. J'ai hâte de voir ce que la Ligue nationale va faire avec ça, s'ils vont étouffer mais la part. Mais c'est gentil. Aussi. Eric Karlsson doit être content, tabarnak. Hein? On s'entend que ça vient pas des c'est joueurs. C'est son là. Agent. Là. On s'entend que c'est pas Drew Doughty qui va faire ça. Là. Ça, on va se dire tout de suite. Là. C'est Monsieur Canada. Il n'y a aucun lien là-dedans. Non, c'est ça. Ça vient vraiment de l'agent. Là. Parce que veut pas pour un agent, le prochain contrat à Doughty, s'il y a un Norris en poche, ben, ils viennent de gagner 1,5, 2 millions de plus. T'sais, ça fait que, t'sais, pour eux autres, en tout par cas, année. Moi, c'est sérieux. Oh oui, par année, on parle pas de. Au Carlson, global, il y en a déjà deux, t'sais. Fait que lui, ça a pas gros d'impact sur lui, mais sur Doughty, ça en a un gros, là. Avoir un Norris en poche, c'est beaucoup, là. Son contrat, c'est dans 3 ans, lui, là. Mais que vous pensez de ce scandale-là? Pensez-vous vraiment que ça pourrait être vrai? Pensez-vous que la Ligue nationale va faire une enquête? Vas-y donc, Mike. Ben, tu sais, c'est le groupe Adon Meehan, hein, c'est quasiment la mafia de la Ligue nationale, c'est gros, là.
Moi, personnellement, j'ose espérer que c'est pas vrai, mais j'y crois. J'y crois, ça se pourrait en crime. Don Meehan, là, c'est pas n'importe qui. Puis c'est un gros groupe, ça, là. Puis pour négocier un contrat, puis faire ça à Carson, c'est un peu chier. Mais comme je disais précédemment, lui, ça n'aura pas gros d'impact sur son prochain salaire. Il y a déjà deux Norris, puis il va peut-être en gagner un autre, puis un autre d'ici temps-là. Fait que pour Dowdy, lui, ça peut rapporter gros. On l'a vu avec Subban, qu'est-ce que ça a donné à Norris? Ça a donné 9 millions. L'aurait-il mérité? Peut-être pas à ce point-là, mais on voit l'impact que ça peut avoir à Norris. Puis oui, moi, j'y crois que ça pourrait être vrai. Toi, Samuel? Ben, moi, je suis pas un gars de rumeurs, là, à partage tout le temps sceptique jusqu'à temps que j'aille les faits accomplis devant moi. Sauf, tu sais, outre tout ça, moi, quand Doughty a gagné le Norris, j'en revenais juste pas. Je comprenais pas. On donnait souvent à des joueurs qui avaient le plus de points. Puis cette année-là, bizarrement, c'était Doughty qui l'a gagné, qui avait 51 points. Ben, parce que moi, j'avais. Parce que je pense que les nominés, c'était Carson puis Norris. Carson, Burns. Ouais, c'est ça. Ben, moi, je trouvais que dans l'Ouest, le meilleur défenseur, ça avait été Brent Burns. Fait que c'est pour ça que j'ai comme pas compris pourquoi il l'avait gagné. Puis là, après ça, on entend cette rumeur-là qui sort aujourd'hui. Fait que oui, ça se pourrait parce que je trouve ça bizarre que ce soit lui qui l'ait gagné, même si c'est un excellent défenseur. Mais je crois que l'année passée, Burns et Carlson étaient bien devant Doughty. Parce que les rumeurs, est-ce que c'était sur des faits passés ou c'est cette année qu'ils parlent? Ben, il parle de l'année. Ben, ça s'est passé avant la nomination du Norris de Doughty qui a gagné. Ok. Ça veut dire qu'il y aurait eu déjà. Il y a eu de l'influence, puis l'autre a gagné le trophée à cause de ça. Ok, exactement. Ça change tout. Il y a eu 93 votes de première place, où Doughty 37 de deuxième et 10 de troisième. Ben, moi, je vais donner mon avis. C'est assez court, puis c'est assez plate en même temps. On est à une époque, man, où tout le monde crosse, man. On est rendu à une époque où, aux États-Unis, on a élu quelqu'un qui fait ce genre de magouille-là, genre, puis qui est déjà en train de les faire. Genre. On est dans un monde où ce que les crosseurs sont valorisés. Ça fait que quand ça arrive, ben même les petits commencent à penser que c'est correct de faire ça. Ça fait que ça me surprend pas parce que moi-même, à ma job, alors que c'est comme un petit environnement, ben les boss font exactement la petite magouille que les autres boss font. Ils jouent au crotté, puis ils jouent au crosseur comme n'importe qui parce que ça fait partie de la nouvelle philosophie de vie, on dirait. Ça fait que ça me surprend absolument pas. Est-ce que c'est répréhensible? Totalement. C'est aussi répréhensible que toutes les autres, par exemple. C'est aussi répréhensible que les fucking paradis fiscaux puis toutes ces affaires-là. C'est sûr, ça déborde du hockey. Mais je trouve que faudrait punir ces gestes-là de façon exemplaire pour essayer de rétablir un peu la moralité parce que le monde là, s'en va chez le yard, man, si on continue à faire ça. Ça n'a pas d'asti d'allure que tu t'influences à voix haute, t'essaies d'influencer à voix haute des journalistes pour ton gain personnel, parce que viens pas me faire croire que, oui, c'est certain que son client va faire une pièce là-dessus, mais lui, c'est sa commission qui s'en va chercher aussi. Là. Moi, je trouve, si c'est vrai, j'espère qu'il va avoir j'espère qu'on va faire un exemple de ce gars-là. Pas parce que c'est le seul. Ça va être dur quand même rentrer dans la clique à Meehan. Ça va être e-boy. Il y a tellement de joueurs importants. Je sais pas. Moi, j'espère que ça soit un gars important, un joueur important ou n'importe quoi. Là. C'est un peu comme ce qui est arrivé avec la corruption ici au Québec. Là. C'est la même affaire. Faut qu'il rentre dans le tas. T'as pas le choix. Faut que tu fasses une enquête. Mais ils font pas. Parce que c'est encore ce monde-là qui sont au pouvoir. Benoît du Sud-Tchad, la nationale, va renier la rumeur. C'est vrai. Puis c'est normal. Je la renierais moi ici être le boss de la ligue. Mais faites une enquête pour approfondir les choses. Puis sortez les vraies choses. Essayez d'être transparent le plus possible là-dedans. Parce que là, c'est la réputation d'un agent, d'une agence au complet, puis en plus de certains joueurs, parce que, tu sais, on sait très bien que les joueurs sont proches des agents. Ça ouvre la porte à quelque chose de bien pire. Parce que là, tu te dis, si tu peux faire ça pour les trophées, tu peux faire ça pour les matchs. Ben pour les matchs, c'est plus dur parce que c'est dur C'est certain que c'est un step de plus. C'est la même genre de mentalité qui va faire qu'un jour, peut-être, on va entendre des scandales de matchs truqués et d'affaires de même. Parce hockey, c'est on n'est pas rendu là, là. Ouais, ben c'est vrai, sais, mais ben, le jour que tu vas envoyer un snapper, t'en comptes ton goaler, là, tu poses des questions. Si tu casses pas, là, il faut que tu la casses, Yannick, cette matinée. Non, je sais, c'est clair. On est à l'époque, là, il va falloir qu'on fasse ça pour tout, puis ça dépasse le hockey, mais pour tout ou en général, il va falloir qu'on lance un message à un moment donné, c'est assez, parce que sinon,
Ça va continuer, puis les crottés de même vont penser que ça se fait, puis les petits... puis là, ça va être ton avocat, puis là, ça va être ton propriétaire qui va ambitionner sur toi, puis qui va faire des... Tu sais, tout le monde va finir par le faire. Dès que quelqu'un a comme position de pouvoir, il va sentir le droit de le faire, puis ça, il va falloir arrêter ça, parce que le monde va virer. C'est sûr que je débarque, là. Comme d'habitude, là, vous allez dire, Élie, tu t'emportes, là. Mais en même temps, moi, ça me fait capoter, ces affaires-là. L'injustice, puis du monde, les crosseurs, puis le cash qui achète les choses au lieu du mérite, là. Moi, je trouve que ça fait dégrader la civilisation, ça fait dégrader l'homme en tant que tel. Ça fait que ça me pue au nez. J'ai hâte de voir ce qui va circuler comme nouvelle un peu partout, ce qui va se dire là-dessus. Ça vient quand même d'une station comme TSN. On s'entend-tu que c'est pas le genre d'info qu'une radio comme TSN 1200 va sortir pour le fun. N'importe quelle radio de TSN, ça vient vraiment d'un gros joueur dans le monde radio. On est loin de même du 91.9. Là. TSN, là, la radio de TSN, là, est au Canada au complet, ou même aux États-Unis, puis c'est une radio qui est terriblement écoutée, qui est extrêmement respectée. Ça fait que c'est pour ça que je pense que les propos vont peut-être être lourds de conséquences, puis je pense qu'ils vont être pris au sérieux par la Ligue nationale. J'espère qu'ils vont être pris au sérieux par la Ligue nationale. Mais moi, je crois pas que ça va venir un jour de truquer les games pour la simple et bonne raison que le hockey est tellement complexe. Tant qu'on ne verra pas un gars snapper sur son propre goaler, là, on n'a pas besoin de... Patrick Lane l'a fait hier, là, attention. Ouais, je sais, on entend que c'est des situations... Ça commence! Ça commence, hein, quasiment ça. Tu sais, mais faut pas aller trop loin là-dessus. Non, mais... C'est la nomination en tant que telle, c'est la manière que la nomination se fait qui est discutable, parce qu'on demande à des journalistes de voter pour ce trophée-là. C'est comme Guy dit, tant qu'à moi, le Norris, c'est n'importe quoi. Puis c'est vrai, tant qu'à moi, parce que le trophée Norris est supposé être remis au meilleur défenseur overall de la Ligue nationale, et non le meilleur défenseur offensif. Qui garde le Norris pour le meilleur défenseur overall, puis qui foute le Bobby Orr pour le défenseur offensif. Oui, ben oui, That's it. Ben Bobby Orr, c'est un des plus grands ou le plus grand défenseur de l'histoire, donc il mérite son trophée, en plus. Oui, c'est ça, comme Maurice Richard. Maurice Richard, là, ils ont donné pour le meilleur buteur, puis c'est parfait comme ça. De qui donne un trophée au gars qui a le défenseur qui a le plus de points, tu finis qui a le plus de points, tu gonges ce trophée-là, c'est mérité. Il n'y a rien de mal à ça, tu sais. Un trophée Bobby Orr va avoir autant de valeur qu'un trophée Norris. Mais en même temps, ça si t'as deux trophées pour une position, t'es comme pas le meilleur de ta position, t'es le meilleur de ta position, mais tu comprends, ça dénature un peu la valeur. Ah, c'est comme overall, le Celtic et le Art Ross, tu sais, ça revient au même. Il y a Benoît sur le chat qui dit, question, si c'est véridique, est-ce que le joueur devrait remettre son Norris? Moi, je dis non, parce que le joueur a aucun rapport là-dedans, là. T'sais, on va s'entendre là-dessus. Là. Mais le joueur en tant que tel, il est pas à blâmer pour une connerie de son agent. Ça, on va se le dire. Là. Écoute, Drew Doughty, là, pour connaître je vais extendre un peu l'affaire, OK? On a tout un... Puis je fais une brève parenthèse, mais c'est dans le même genre. C'est juste pour te dire un peu à quel point la moralité, là, c'est une fine ligne. Mm-hmm. Cristiano Ronaldo et Messi, présentement, sont leurs gérants se font poursuivre parce qu'ils ont placé une partie de l'argent de leurs clients dans des paradis fiscaux, et ainsi de suite. Genre. C'est un peu ça. Le fait que le gérant fait de l'ingérence, ça se dit pas, mais tu sais que le gérant pousse d'autres à voter pour ça, en fait, essaie de truquer les chiffres, c'est à peu près la même affaire que tu dis. Puis... d'ailleurs, je veux pas non plus faire un long statement là-dessus, mais il y a eu 5 joueurs de la Ligue nationale qui étaient pris dans les Panama Papers. C'est-à-dire qu'il y a 5 joueurs qu'on ne sait pas c'est quoi leur nom de la Ligue nationale qui ont mis de l'argent dans les paradis fiscaux. Ça pour dire que, Chris, si on ne met pas un frein, là, ça va toujours être une coche de plus, puis il va en avoir plein. Je comprends pas. Il y a 93 votes de première place. Okay? 93. Carson en a 46, puis Brent Burns en a eu 3. OK? Avec le temps qu'il y en a eu 8. Sur 93 votes de première place, il n'y a personne qui va me faire croire que l'agent a pu convertir. Il y a 47 votes de différence de première place entre Doughty et Carlson. Il n'a pas converti 47 journalistes. S'il en a réussi à en convertir une 20 ou 30, ça ne fait pas les 93 votes de première place que Doughty a eu. Ça fait que c'est pour ça que je me dis... À quelque part, oui, il a pu en corrompre une coupe, mettons que c'est vrai. Mettons que c'est vrai qu'il en a corrompu une coupe, mettons 20 ou 30.
ça n'enlève pas les 94 non, votes. Tu peux pas dire qu'il a perdu. Tu peux pas dire qu'il a perdu le Norris. Tu peux pas y enlever le trophée. Ça, c'est, non, c'est ça. Parce que tu peux pas dire que combien il y a de votes qui a été triché. Non, exactement. Parce que on va s'entendre, un agent a du pouvoir, mais un pouvoir sur 93 votes de première place, je trouve ça beaucoup. Mais Guy, c'est bizarre, dit, hein? Parce que Guy, sur le chat, il dit qu'il va avoir un Astérix quand même. Moi, je vois pas d'Astérix là quand même. Parce que je pense que malgré, même s'il aurait perdu 20 votes de première place, je crois que Doughty l'aurait gagné pareil à cause de son plus 24. Parce que on va s'entendre que Ben Burns était moins 5, puis Carlson était moins 2, puis Doughty était plus 24. Je crois que c'est là que ça s'est joué pour le Norris, parce que les points, on s'entend que c'était pas égal. Mais c'était peut-être la première année des 10 dernières que c'était pas le défenseur qui avait le plus de points qui gagnait le trophée Norris. Il n'y aura pas d'Astérix. Je vais vous dire exactement pourquoi. Regardez, est-ce que vous avez vu la nouvelle ailleurs que justement ce journaliste-là qui l'a sorti sur... Attends, ça va faire boule de neige. Ça sort cet après-midi. Ça sort une heure et demie. Là. Moi, là, ça me surprendrait pas que ça soit fucking étouffé. Tous les diffuseurs, genre, de la Ligue nationale sont à la solde des équipes qui sont à la solde de la Ligue. Ça me surprendrait très gros qu'on entende parler beaucoup. On s'en reparlera, là. Parce que ça se fait très bien que ça fasse un essai d'affaires. Moi, j'espère que ça fasse un crise de tabac. C'est Marco Normandin qui a sorti ça sur Absolument Fan. Je le connais bien, Marco. Ben, je le connais bien. Je le connais de Facebook. Là, je parle souvent avec. Puis, ça vient quand même. Y a pas, c'est une info qui a pris de TSN 1200. Fait que si je me dis, ça vient pas d'une source non négligeable. C'est pour ça que je mets toujours un bémol. Parce que ça reste que c'est le genre de nouvelles que tu sors qui peut faire une bombe. Est-ce que ça va faire une bombe? J'ai bien hâte de voir. J'ai bien hâte de voir, moi, ici, ouais. Bon. Ouais, on vient de parler 15 minutes de pas du Canadien, mais les pauvres auditeurs, ils doivent capoter. Ils ont déjà fermé le podcast. Ils ont délité leur account. Steve, fuck that, c'est bon, fini. Bon, à cette heure, parlons des Maple Leafs. Les Maple Leafs hier qui ont perdu contre l'Avalanche du Colorado. Faut noter hier que Varlamov a connu un excellent match. Joke, 51 on s'en joke. On va revenir, on va y aller avec la rivalité Canadien-Boston à soir, Canadien qui affronte les Bruins, je pense que vous le savez tous. Croyez-vous que la rivalité a changé avec les années? Est-ce qu'elle s'étompe? C'est marqué sur mon calendrier avant, man. Est-ce qu'elle est en train de descendre ou s'estomper un peu avec les années? Parce qu'on s'entend que les Bruins, c'est plus une équipe grosse physique, méchante, ou les Big Bad Bruins qu'on affrontait dans le temps. Là. T'sais, on s'entend que c'est plus pas en toute cette équipe-là. C'est une équipe qui est aussi grosse que le Canadien. C'est ça. Là, ça a changé énormément, là. Croyez-vous vraiment que c'est en train de s'estomper, cette rivalité-là? Est-ce qu'elle va renaître un jour aussi intensément que le 3, 4, 5 ans? Je pense pas. Je pense que je vais arrêter de parler. Là. Sérieux, je vous fais 15 secondes, je me ferme. je pense pas que ça. Parce que le hockey change, puis on n'aura plus jamais le même genre de joueurs qu'avaient les Bruins. Donc, on n'aura plus jamais cette rivalité-là aussi intense, aussi profonde en dedans de nous autres. Que je mettais. Allez-y, boys! Pas mal d'accord avec Eli en ce moment, ouais, parce que tu sais, ce qui avait gros la rivalité, il y avait Marchand qui était encore là. Chara, il a ralenti énormément, fait que c'est plus le même joueur. Lucic, lui, il apportait énormément à la rivalité, puis il est plus là. Mais tu sais, de dire que ça reviendra jamais, ça, je suis pas prêt à dire ça, parce qu'ils vont en ramener des cochons, là, puis ça va revenir, tout ça. Là. Puis. Tu penses que ça va revenir, les bagarres, puis tout ça? Moi, je pense que non. Non, c'est pas au niveau des bagarres, mais. T'sais, du jeu physique intense, tout ça, c'est ça la rivalité Bruins. C'est pas nécessairement des batailles, parce que des batailles canadiens n'ont jamais vraiment embarqué là-dedans, anyway. Puis la rivalité était là pareil. Mais oui, ben là, présentement, les Bruins, je trouve qu'ils n'ont pas l'équipe pour rivaliser avec le Canadien. Puis tout ben, dépend pas mal de race. Ils n'ont pas de mauvaise équipe. Ils sont loin d'avoir une mauvaise équipe. Là, t'sais, l'équipe que je vois pour se battre plaisir. Le top 6 présentement de Boston est supérieur à lui du Canadien. Il n'y a personne qui va me dire le contraire. Ouais, là-dessus, la défensive. Tu sais, le Krejci avec Pastrniak. Pastrniak qui marche en malade. C'est explosé, man. Ça n'a pas d'assise d'allure. Mais on savait qu'il était fast, mais tu sais. Ça va lui prendre la défensive à un moment donné. Ils n'ont jamais remplacé Dougie Hamilton. Chara qui s'en va sur la fin. Ça s'en va pas vers le mieux, là. Bon, j'ai entendu le téléphone sonner, j'ai été le fermer, ça va être le Toi, Samuel, qu'est-ce que t'en penses? Ben, toi, t'es plus jeune un peu que nous autres, genre, mais malgré tout, tu l'as vécu, ça se fait pas si longtemps. Tu sens-tu, toi aussi, que c'est en train de s'atténuer, puis que t'as-tu l'impression que ça va s'éteindre à jamais? Écoute, ben, c'est un peu comme dans la même optique que Mike.
Et s'éteindre à jamais, je crois pas. Je crois que ça peut revenir, mais est-ce que c'est comme avant? Définitivement pas. Moi, à cette heure, je trouve que les matchs les plus excitants, qui ont le plus de rivalité, c'est contre les Sénateurs d'Ottawa. Ouais, c'est vrai. Puis contre les Bruins, c'est ça, on dirait que aussi on les... Tu sais, je sais pas s'il y a des partisans des Bruins à quelque part qui nous écoutent, là, mais tu sais, sûrement. Saison régulière, là, c'est même pas proche de nous battre, les Bruins. On les domine au niveau des victoires, là, depuis les... Je sais pas combien, là, mais mettons les 4-5 dernières années, ils sont pas là pantoute contre le Canadien. On gagne pratiquement tous les matchs. Puis en série, ben c'est là qu'on retrouve notre petite rivalité. Mais là, tu sais, Subban n'est plus là. Lui, il amenait un peu de la rivalité Canadien-Boston. Il la faisait vivre. Il y avait Lucic. Tu sais, tous des joueurs qui sont partis, qui font que... Tu sais, les nouveaux joueurs, ils n'ont pas connu la vraie rivalité que nous, on a vue avant. Tu sais, c'est plus des joueurs, tu sais, comme Radulov qui arrive de la KHL. Il y en a gros qui arrivent de l'Ouest. Fait que, tu sais, les rivalités changent. Les deux équipes changent aussi, les systèmes de jeu. Tu sais, avant, tu avais un Sean Thornton qui essayait de dévisser tout le monde avec Lucic, le gros Chara qui essayait de détruire et tout. Tu sais, c'était tout fait pour nous faire pogner les nerfs, en plus qu'avec l'autre Julien qui avait déjà coaché le Canadien. On les haïssait toutes, tandis que là, il reste juste comme Brad Marchand qui est encore comme le moins aimé puis qui fait revivre la rivalité. Mais là, il se concentre plus à la mettre dedans qu'à geler du monde de dos. Là. Fait que, tu sais, c'est ça. Non, puis l'intérêt aussi, on dirait qu'il a diminué. T'sais, moi, regarder un match Canadien-Bruins, j'espère qu'ils vont les planter, mais bien moins qu'avant. Autant que contre Toronto aussi, ça a changé. T'sais, ils sont rendus une jeune équipe. Les games d'avant contre Toronto, c'était excitant, ça brassait, puis t'avais le goût d'embarquer sur la glace juste pour en geler un, même si t'avais de la misère à patiner. Là. Mm. Mais c'est ça. Ça a changé, ça a évolué. Moi, je trouve que la meilleure rivalité qu'on a à Star, c'est avec les Sénateurs. J'ajouterais le Lightning, moi, c'est deux clubs. Comment tu dis ça, Mike? J'ajouterais le Lightning à ça. Les ouais, pas mal les deux rivalités. Ouais, sauf qu'on... Ouais, mais il y a moins... c'est une rivalité, mais comme de talent. Tandis que les Sénateurs, c'est plus... tu sais, il y a eu le côté physique. Il y a eu ce qui est arrivé à Heller, les séries, le slash de Subban sur Stone. Ben, c'est un peu ça, par exemple, l'affaire. Là, c'est que la rivalité, qu'on le veuille ou non, était toujours quasiment reliée à la violence. C'est à chaque fois parce que moi quand je dis que la ligue est en train d'éliminer cette partie-là de hockey, il va toujours avoir, mais il n'y aura plus jamais le genre de débordement. Hey, gars, rappelez-vous, il y a 5 ans, là, peut-être un peu plus, la fois que Boston l'avait droppé contre tous nos joueurs qui ne savaient pas se battre. Là. Ah ouais. C'est Spachek qui avait mangé à voler de sa vie, puis tout le monde. Puis il n'y avait pas eu de punition de la Ligue. Tout le monde était content. Ils vendaient des tickets. Tout le monde était content dans ce temps-là. Mais tu verras. Regarde, est-ce que tu penses que tu pourrais voir ça de nos jours, man? Ouais, moi, personnellement, là, la rivalité va revenir, mais elle va revenir sur une autre forme. Sur une forme de game plus rapide, plus d'intensité. Ça va être différent. C'est pas la même affaire. Oui, mais ça va être aussi bon. Je te garantis. Donne le temps à Boston. Ça va être bon en tant que fan, mais ça viendra rarement. Ça va venir te chercher aussi. Tu vas voir. Ça sera plus des Lucic qui va se battre contre un autre gros. Ça va être un Gallagher qui va se battre contre un autre petit. Ça va être des gars plus petits qui vont se battre hockey, ensemble. Le hockey, c'était un tout. La partie que tu parles, là, elle existait dans le tout avant aussi. Le beau jeu, le spectacle, le talent, la technique. Tout ça, ça existait aussi. Mais quand t'enlèves l'autre partie, tu peux pas dire que la partie d'en bas va grossir et elle va prendre toute sa place. Ça, c'est une petite étincelle avant que tout ça reparte. Exemple, je prends le hit de Hamlin. Ça se passe sur Patrice Bergeron en fin de match. Ça prend-tu juste ça pour que tout ça reparte? C'est carrément, oui. Ça prend, mais ça va arriver. Il y en aura de moins en moins. C'est pour ça que je pense qu'il va y avoir de moins en moins. Il va en avoir de moins en moins parce que les mises en échec vont toujours faire partie de la game. Fait qu'il suffit d'une mise en échec. Rappelez-vous l'incident de Chara contre Pacioretty. C'est un peu la même affaire. La rivalité était quand même popée. Quand ça s'est arrivé, là, ça a fait une méga bombe. Là. Écoute, la rivalité a pris une tournure absolument phénoménale, on va se dire tout de suite. Donc, il suffit qu'un hit. Un hit dans une game, même cette année, pour que ça la reparte en part. Imaginez-vous, à soir, n'importe quel incident qui arrive,
Je sais pas, moi, McWade, si il ramasse Gallagher, commotion cérébrale dans la bande, man. Je te garantis que tu vas voir que ça va revoler mal sale. OK, mais tu me parles de violence. Là. Non, si mais Canadien c'est gagne 6-0 à soir, est-ce on parle là, d'un événement. Non, on parle d'un événement. On parle d'un événement déclencheur. Quand tu me parles que le talent va remplacer ça, là. Tu me dis qu'une game de 10-0 va mettre le même genre Non, j'ai parlé d'un hit, j'ai pas parlé du score, là. Oublie le score, je t'ai pas parlé d'une game qui allait finir 10-0 contre les Bruins, là. C'est pas ça que je dis, mais là. Je dis juste que toi, tu dis... Non, laisse voir. Benoît qui nous quitte pour aller écouter District 31. Benoît, enregistre District 31, puis reste avec nous autres. Moi, je l'enregistre District 31 déjà, moi, ici. Fait que, au pire, allez, tu l'écouteras sur le podcast. Il m'a déjà donné son score. Comment je peux dire ça? Les partisans des Canadiens sont hyper, hyper confiants. Puis moi, c'est bizarre, mais j'ai peur de ce match-là. J'ai plus peur de ce match-là que le reste. Pour la simple et bonne raison que... Tu es en train de caller une défaite? Non, mais non, jamais. Caller une défaite à mon couvert, Yannick, jamais. Je te connais. Non, jamais je vais vous caller une défaite. Je vais vous expliquer ma règle. Je vais dire que j'ai peut-être peur, comme ça, je vais me donner raison. Si non, je vais vous donner ma règle. C'est qu'une équipe qui vient d'en marquer 10 buts, les Columbus nous ont battu 10-0. Le lendemain, ils jouaient une game, ils ont perdu 4-1, ils ont fait 19 tirs au but. Une équipe qui vient de marquer 10 buts dans un match, c'est toujours le piège du match d'après. J'ai hâte de voir. Le Canadien peut me mettre à terre encore parce que je pense qu'ils nous ont mis à terre contre New Jersey. Puis je pense qu'ils nous ont mis à terre contre Colorado. On va se dire tout de suite. J'ai hâte de voir. J'ai vraiment hâte de voir. Avant de passer au match Boston, on parlait justement de frapper et de bagarre. On va féliciter Chris Neal avec les Sénateurs d'Ottawa qui a disputé son 1000e match cette semaine dans la Ligue nationale. Il va y avoir une cérémonie ce soir justement pour Chris Neal. On peut dire que c'est le dernier des Mohicans. 1001 matchs dans la Ligue nationale, 2497 minutes de pénalité. Croyez-vous que c'est le dernier de sa génération à pouvoir jouer 10 000 matchs dans la Ligue nationale, pardon? Croyez-vous que c'est vraiment le dernier qui va exister? Un tough, ouais. Ben, ce genre-là, oui. Ouais. C'est vraiment... Simmons qui sont capables de dropper des trucs de main. Des joueurs qui sont capables d'apporter autre chose que ça. Mais des gars, Reeves. Uniquement ça, ça va être rare. Je pense que c'est pas mal fini, moi. Mais c'est plate parce que, tu sais, en même temps, c'est un joueur qui avait son utilité. On le sait tous à quel point il nous a dérangé durant toute sa carrière, man. Toute sa carrière. Chaque match qu'il jouait contre nous, il réussissait à jouer dans notre tête. Il réussissait à gosser nos joueurs. Puis il n'y avait pas vraiment... Il n'y a jamais vraiment eu de... Il y a des Antoine Roussel, des Ryan Reeves. Ouais, mais c'est plus des agitateurs qui drops. Reeves, c'est un vrai tough, là, c'est vrai. C'est un peu. Lucic est un prototype du même genre. Il va falloir qu'il sache jouer au hockey. La seule affaire, c'est que contre qui ils vont se battre, ce gars-là? C'est ça l'affaire aussi. C'est que. Ben, t'as encore des Antoine Roussel, t'as encore des l'autre à Calgary, comment il s'appelle? Là, j'ai perdu son nom, là, j'ai un blanc. Ferland. Tu sais, t'as encore des gars comme ça qui vont dropper encore. Puis, tu sais, Roussel, quand il pète une coche, ça boit un Français, il en pète une tabernacle, lui, des fois. Oui, là, mais une tabernacle. Une tabernacle, ouais, j'avoue. Tu sais, je pense qu'il va avoir encore des gars comme ça, mais des comme Neal, parce que présentement, il joue genre 7 minutes par match, 7-8 minutes par match en moyenne. Mais des comme Neal. Ouais, mais Neal, à son prime, il jouait. Il jouait 15 minutes. C'était un troisième trio. Il était capable de scorer 10, 12, 15 buts, mais il t'apportait d'autres choses aussi, là. Non, mais c'est plate, parce que moi, j'ai toujours apprécié ce genre de joueur-là. Puis j'ai l'impression que c'est le dernier des Mohicans. Puis je pense qu'on le réalise pas. Tu sais, on se dit, non, ça va revenir peut-être, peut-être ça. Puis on accepte qu'est-ce qui arrive présentement. C'est vrai, mais... Puis tout le monde en voulait un dans son équipe, ça. Des gars comme ça, là, des Chris Neal, là, c'était tellement rare, tout le monde en voulait un. Puis là, on dirait que c'est en train de s'estomper. C'est dommage parce que ça apportait justement l'élément rivalité qu'on parlait tantôt. Ça ajoutait ça. Sam a parlé de Sean Thornton tantôt. C'était moins talentueux que Chris Neal, mais c'était un gars qui apportait cette énergie-là, qui amenait une rivalité. C'est plate. Moi, je trouve ça dommage. Je sais que pourquoi la Ligue nationale fait ça. La Ligue nationale veut s'éloigner des poursuites parce que, veut pas, quand t'as permis à des joueurs de se faire très mal sur une glace pendant tant d'années, t'as une partie de responsabilité, c'est certain. Donc, est-ce que la LNH va abolir ça pour se sauver le cul? Moi, je pense que oui. Mais en bout de ligne, je pense que ça va... Ils aboliront jamais. Non, ça va aller direct. Non, aboler, mais direct. Tellement filtré qu'il y en aurait quasiment plus. Ils vont rester réglement pareil. Je veux pas des matchs comme dans le temps non plus où il y avait 4-5 batailles par match. Puis
tu sais, je parle pas non plus juste de bagarre, je parle juste de ce type de joueur-là, tu sais. Ce type de joueur-là, un le prototype du grinder, tu sais, à limite tough guy, genre. Et ça va se perdre. Il va peut-être en avoir, mais le gars va avoir du talent. Moi, je pense qu'il va peut-être en avoir encore. La psychologie de la game était bien gros. Je veux pas que ça devienne comme, puis là, la KHL a bien changé, là, mais je veux pas que ça devienne comme du hockey européen, tu sais. Non, c'était juste skills, puis là, bonne tape dans le dos. Ça sera jamais ça. Écoute, tu sais, 10-1, puis Emeline, il ramasse un gars, puis il fait faire une pirouette. Fait que ouais, ça sera jamais ça. Ça sera jamais ça. Oublie ça tout de suite. C'est pour ça que j'étais content. Tu vas toujours le. Tu sais, le jour que. C'est vraiment rétro. Non, mais tu sais, le jour que les défenseurs robustes vont disparaître, là, tu te poseras des questions. Mais ce jour-là, il n'est pas arrivé de sitôt, parce que les défenseurs robustes vont toujours avoir leur place dans la Ligue nationale. C'est là que ça se joue. Les défenseurs robustes, il y en a encore partout dans la Ligue nationale. Des gars comme Emeline, des gars comme Orpik, il y en a partout, dans chaque club, il y en a. Là. Si tu regardes des gars comme Pareko à Saint-Louis, c'est un gars qui est gros, qui est mobile, mais qui frappe aussi. Ces genres de défenseurs-là vont toujours exister, donc il va toujours avoir des mises en échec sévères, puis des mises en échec borderline, t'sais, Yannick, des fois. T'es passé, eux, là, les deux autres ne sauront pas, là, mais tu te rappelles des belles années de Rick Tocchet? Ah ouais, ben oui. J'ai connu Rick Tocchet, j'ai pas 20 ans. Moi, ouais. Pas grave, tu sais, je l'ai pas vu, toi. C'est le gars qui a des problèmes de jeu, ça semble. Ouais, mais il a des problèmes de jeu. J'ai même connu les années des Hunter, j'ai connu les années, tu sais. C'est quoi, il a crissé 50 dedans, puis man, le gars, man. Ouais, mais je donne aux joueurs. S'il se battait pas, là, aux deux matchs, là, je mens, là. Le gars, c'était ridicule. Ouais, mais il en mettait, Élie, il en mettait 50, mais de nos jours, il en mettrait 15. Parce que le talent des équipes est tellement. Oui, parce que tu sais quoi, les années 90. Pas son talent, Yannick. Les 3e, 4e trio, les années 90. C'est sa fougue. Puis la fougue, là, tu l'appliques dans le jeu de maintenant, puis ça fait la même affaire qu'il y a 30 ans. Oui, le patin, puis la vitesse a changé, mais la fougue, là, c'est pour ça que je dis que c'est ça qu'on va peut-être perdre. Puis c'est ça qui me fait peur. C'est pour ça que j'amenais cet exemple-là. T'sais. Les bonnes mises en échec, il va toujours en avoir. Moi, je pense comme Pops un peu. Pops, c'est une bonne mise en échec, du jeu offensif, c'est ça le hockey que je veux voir. Le hockey, c'est un sport de contact. C'est pas obligé de chercher les gants pour avoir des bonnes games. Puis ça, je suis d'accord mais avec ça. Ouais, mais Pop, ça reste l'intimidation, t'aimes pas ça? Ouais, mais ouais. Ça reste à revenir un peu le point là qu'Élie parle, puis tu sais, on parlait de la rivalité tout à l'heure, tu sais, quand on pense à la rivalité, mettons, Canadien-Boston ou Toronto, les premiers visages, ou Ottawa, les premiers visages qui nous viennent en tête, c'est tout le temps ceux de Lucic, Chara, oui. Tu sais, c'est tout le temps ceux les plus gros qui nous faisaient le plus mal, c'était pas le gars qui en mettait 5-6 contre le Canadien dans la saison, c'était lui qui en plantait le plus dans la bande qu'on haïssait, puis qu'on voulait qu'on se pognait contre lui, fait que tu sais, c'est là que ça devient... que les rivalités sont moins importantes. Puis, tu sais, on parlait aussi des... tu sais, ça prend juste une petite étincelle, par exemple, pour que ça reparte. Le meilleur exemple des dernières années, c'est Lucic qui a ramassé Ryan Miller. Tu sais, Buffalo, ouais, Boston, il n'y avait aucune rivalité, là, puis à partir de là, hey, ça voulait s'arracher à la tête. Fait que tu sais, ça, il va tout le temps en avoir du monde qui pète des coches, puis... mais autant qu'avant... C'est dommage, mais il va en avoir de moins en moins. Puis c'est pour ça que c'est plate de voir que des gars comme Chris Neal, il s'en va vers sa fin. Puis, tu sais, c'était un joueur qui était... On aimait ça l'haïr parce que justement, on aurait aimé ça de l'avoir à Montréal. Ouais, c'est clair. Oui, c'est clair. Mais oui. Mais moi, je peux m'en dire. J'ai oublié mon point de vue, c'est quoi je m'en allais dire. Moi, j'aime ça voir ça, ce qui se passe présentement dans la Ligue nationale. Parce que j'aime ça savoir qu'un joueur de 5 pieds 8, 5 pieds 9, 5 pieds 10 présentement dans le junior sache qu'il peut avoir une chance un jour de même performer à un haut niveau. Un Samuel Girard, exemple, qui a été repêché par les Prédateurs. Ce gars-là va jouer dans la Ligue nationale un jour, puis il est 5 pieds 9. Puis ça, pour moi, j'aime ça voir ça. Parce que combien de fois qu'on a dit à nos jeunes des années 80 et 90, t'es trop petit, tu feras jamais la Ligue nationale. T'es trop petit, tu feras jamais la Ligue nationale. Ces gars-là sont ramassés en Europe. Ils faisaient des bons salaires. Ils ont eu Yannick, des je vais te poser une question. Est-ce que c'est ces joueurs-là que tu veux voir ou tu veux voir un immense dude plaquer quelqu'un? Genre... Non, ben moi, je l'ai dit. Je pense pareil comme Pops. Je veux les deux. Je veux des bonnes mises en échec, mais j'adore le jeu rapide. Moi, là, quand j'ai regardé le Canadien qu'on jouait contre l'Avalanche, là, okay, c'est pas un bon exemple, mettons les Devils. OK, parce que l'Avalanche, on va s'attendre, l'Avalanche a juste pas joué, puis le Canadien était juste partout. Là. Mais vois du hockey que tu regardes ça, là, puis tac, 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 il passe sa palette, la sortie de zone, t'arrives en zone adverse, tu menaces, t'as repongues la zone dans ta zone, des passes courtes, tac, 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 ça monte en haut. Moi, j'aime ça, ça m'excite de voir du hockey comme ça. Je regarde ça, puis je suis comme, waouh, ça, c'est jouer au hockey. Des passes précises, ouais, sa palette, c'est jouer, intense, c'est ça du frappe. Beau hockey. Mais c'est moins émotivement chargé. Ben, je pense que ça l'est autant. Quand tu regardes
Ben, regarde les trous dans foule, man, puis il vient pas me dire qu'il y a pas quelque chose qui se passe, là. Ben, une bonne mise en échec quand Méline a ramassé l'autre. La foule s'est levée, puis c'était 10 à 1. Tu comprends? Non, mais je pense qu'il y a de moins en moins de monde. Il y a quelque chose que le monde aimait. Ben, lâche avec le moins en moins de monde. La Ligue nationale fait des profits comme jamais, puis les arénas sont pleines comme jamais. Profits, c'est de l'aise. Oui, mais arrête avec ça, Élie. Tu vois du monde qui ont payé des billets, puis qui ont juste pas pu se présenter. Faut que tu décroches un peu avec ça, parce que c'est plein à Montréal à tous tes matchs. Ouais, mais tu vois des bancs vides au début des games, puis à la fin de la game, c'est rendu plein. Tu sais, il y a plein de monde qui se présente pas. J'ai déjà été à Montréal, moi, j'ai déjà eu des billets, puis j'avais pas pu y aller le soir même. J'avais bien mes mains, puis je capotais bien, puis je pouvais pas y aller. Moi, je vais deux, trois fois par année, man. Puis je peux te dire là, que les trois années avant, il n'y avait pas une petite place de vide. Il n'y avait pas une crise. Ben oui, mais il n'y en a pas plus non plus, c'est plein, c'est le monde qui décide de pas y aller. C'est ton argument, pour moi, il tient pas la route, parce que ça arrive à n'importe qui pour pouvoir se présenter un match. Là, je vais répondre à Guy vite fait. Il dit, pourquoi à 6 pieds 4, tu peux pas faire des belles passes? Par rapport, Yann, c'est pas ça que je dis, là, mais c'est pas ça que je dis pas en tout. J'aime savoir qu'un jeune qui commence à jouer au hockey, puis qui a un talent énorme dans sa ligue ou dans le junior, puis qu'ils se disent, ouais, mais ils repêchent juste des gars de 6 pieds 3 dans la ligue. J'aime ça, voir ces jeunes-là. Ils favorisaient dans les années 80-90. Exactement. Là, Yannick, tu parles sur les goleux. Non, je parle des joueurs en général. Mais les goleux, t'es-tu pour aussi, les goleux de 5 pieds 8? Ben, ça c'est fini. Je te l'ai dit, ça. Tu me dis ça va revenir un jour, puis je te l'ai dit que ça reviendrait jamais. Les joueurs, là, toi, tu veux les joueurs, mais pas les goleux. Ben ouais, mais c'est normal, c'est juste logique. C'est raciste, les goleux, c'est vous. Nassant. Non, mais on s'est déjà pogné là-dessus, Élie, puis tu m'avais dit ça allait revenir un jour. Puis je t'ai dit jamais, ça va mourir ça va mourir encore plus l'année prochaine. Avec les changements des équipements des gardiens de but, avec les changements des plastrons. Oublie ça, t'auras jamais un gardien en bas de 6 pieds dans la Ligue nationale. Enroth a été retourné des mineurs, le seul qui reste présentement. Au soccer, qui a 100 ans de plus que vous, ils ont fait la même affaire, mais c'était des astis géants. Puis maintenant, il y en a un qui est arrivé qui avait 5 pieds et 10 puis qui arrêtait. Ah ouais, mais le soccer, c'est différent. T'as pas d'équipement. Je te gâche que tu veux. Parler des jeunes joueurs là, qui benchent à cause qu'ils n'ont pas leur place à 5 pieds et 8 parce que c'est juste des gros, là, ben je pense que tu devrais avoir le même discours. Des gardiens de but, là, jamais. C'est fini. Ça fait combien d'années qu'il n'y a pas eu de goleux élite en bas de 6 pieds? Non, parce qu'ils ne sont pas repêchés. Le dernier, c'est quoi? C'est Théodore avec un... Mike, la même affaire que pourquoi avant, il n'y en aura jamais. Juste des gars de 6 pieds. Ils ne seront jamais repêchés. Ils seront jamais repêchés, puis il y a des... Ah, ça n'ose dire. Il y en a un à Nashville qui s'en vient. Si lui, il perd, c'est peut-être le seul. Dans la relève, dans chaque club. Samuel, là. T'as-tu peur? Je... T'es en boule présentement dans un coin parce que je peux te le dire, on n'est pas fâché pour vrai. Là. Moi, je parlais pas juste des défenseurs, Guy. Je parlais en général. Que j'aime savoir qu'un jeune qui joue dans le junior se dise que la grandeur a plus d'impact sur le fait qu'il va être repêché. Que si t'as le talent, tu vas être repêché. Dans les années 80-90, puis même au début des années 2000, là, on parle pas de v'là longtemps, on parle de v'là 10-15 ans. Là. Dans ces années-là, t'avais des talents, des prodiges, des jeunes qui auraient peut-être pu, dans l'Union nationale, faire des saisons de 50, 60, 70 points, mais qui se faisaient pas repêcher parce qu'il y avait un gars à côté de lui qui en faisait 30 points, mais qui mesurait 6 pieds 4 et qui faisait 230 livres. Aujourd'hui, ça l'a changé. Pour revenir au point du début, là, est-ce que tu penses que là, on va vivre une période où ça va être le retour des jeunes, pas des jeunes, des petits gabarits rapides, du talent? Parce que ça a l'air d'être ça, là, les équipes. La grosseur, ouais. Tu sais, autant il y a eu, il y avait des préjugés envers les joueurs qui étaient en bas de 6 pieds 2 il y a comme 5-6 ans, que là, tu penses-tu que le monde va regarder de plus en plus les joueurs de talent, puis va avoir comme une passe dans la Ligue nationale? C'est déjà commencé, tu sais, regarde les Jonathan Drouin, c'est pas un gros, c'est Mitch Marner, c'est pas un gros, tu sais, des gars de même, ça sortait pratiquement jamais top 5 avant, là. Jamais. Depuis quelques années. Johnny Gaudreau, là. C'est un choix de quatrième ronde. Ouais, c'est ça, mais tout le monde lui disait, là, quand ils l'ont repêché, je m'en souviens, il disait Johnny Hockey, tu sais, il fait un frime de poulet, il fera jamais la Ligue nationale, il fera jamais 50 points dans la Ligue nationale. Puis, gars, il a fait 80 points déjà une saison. Tu sais, là, c'est ça que je dis, c'est que présentement, le talent prévaut. T'sais, si t'as un gars comparable, égal, tu dis, ces deux-là, pour moi, là, sont égales, t'en as un de 5 pieds 9, t'en as un de 6 pieds 2. Le scout va prendre le gars de 6 pieds 2 à talent égal. Je suis persuadé. Mais si t'as un gars de 6 pieds 2 qui est un peu inférieur au gars de 5 et 9 qui a du talent, le gars de 5 et 9 va être privilégié. Tu sais, Abramov qui a été choisi en deuxième ronde, si je me trompe pas, Abramov, ou fin de première ronde l'année passée.
Deuxième ronde, début deuxième ronde. Oui. Tu sais, là, c'est un autre petit, ça, mais il y a du talent bien raide. Tu sais, qu'on regarde, Lekkonen aurait dû être repêché à 5 pieds 11 par les Canadiens en deuxième ronde. Il était repêché à 5 pieds 10, puis il faisait quoi, 156 livres, 161 livres, je pense, à son année de repêchage. Puis ouais, regardez les joueurs aujourd'hui, Lekkonen. Chance qu'ils ont donné des hormones. Non, il est rendu à 6 pieds, puis il est rendu à 180 livres. Injection. Élie, il est en haut partout, lui. Ouais. C'est tout des boostés aux stéroïdes. Question, la question d'Élie. Ah, je me rappelle plus ce que j'allais dire, Chris. Je m'ai tout perdu. Ah oui, oui. La question, c'était, est-ce que Byron aurait été repêché il y a 5 ans? Est-ce qu'on aurait vu Byron dans la Ligue nationale il y a 5 ans? Je pense que la réponse est non. Les joueurs de ce prototype-là, de ce gabarit-là, n'étaient même pas regardés. Même si Byron... Quoique Byron est quand même assez... est quand même une rapidité qui est hors du commun. Là, ben, le 5 ans, peut-être. Le 5 ans, moi, je pense que ça a commencé à changer, cette mentalité-là, quand Chicago a gagné leurs deux coupes cette année de suite. C'est là que le monde a fait « OK, ouais, avoir une grosse équipe, c'est peut-être pas... » C'est plate pour McCarron, pareil. Hein? Non, mais c'est correct. Non, mais tu vas toujours en avoir, puis c'est bon de en avoir, mais t'as plus besoin d'en avoir beaucoup. C'est ça la différence. Tu sais, là, v'là 10 ans, jamais. Ça, je suis d'accord avec toi, Guy. V'là 5 ans, je pense que oui, mais v'là 10 ans, je suis d'accord avec Guy, jamais, jamais il aurait été repêché. Il aurait même pas été scouté. Il aurait même pas personne qui aurait été voir, mettons, il jouait avec... il jouait avec qui? Les Olympiques, je pense. Oui. Puis jouer avec les Olympiques, puis personne qui arrêtait de voir, mais aller voir Byron, non, ça n'aurait pas marché de même. C'est garanti. Mais. Ben, juste pour te dire, Byron, il a été drafté en 6e ronde, v'là 10 ans. Ben, 6e ronde, c'est ça. C'est ça qu'il n'y a pas 22 ans. Là. Non, c'est ça, mais 6e ronde, tu sais, on s'entend que 7e ronde. Tu peux aller écouter ton émission, je pense qu'il vient de te dire. Tu sais, on s'entend que 6e ronde, les 6-7e ronde, c'est toutes des pures guesses pour chaque équipe. Il n'y a pas une équipe qui choisit un gars de 6e ronde et dit ça, là, c'est un vol. Il n'y a personne qui peut le savoir. C'est comme... cyclique, par exemple. Tu sais, comme tu dis, là, ça a commencé un peu avec quand Chicago ont gagné leur coupe. Mais c'est ça, tu check, là, quand, mettons, c'est des équipes rapides qui se rendent loin, ben là, l'année d'après, d'un virage, c'est tout le temps... C'est ouais, mais présentement... Puis là, après ça, quand ça change, ben là, c'est les plus gros qui sortent en premier. Ça change tout le temps. Moi, je pense que ça reviendra pas. Je pense que c'est fait. Avec Pittsburgh qui a gagné la dernière Coupe Stanley, moi, je pense que ce virement-là, il est fait à jamais. Puis entendre les propos de Sutter à Los Angeles. À Pittsburgh, c'est un mix. Pittsburgh, il a une équipe aussi grosse que le Canadien. Celui qui va gagner cette année, va dicter la façon que les autres vont voir. Non, c'est pas vrai. Chicago, Pittsburgh a 4 des 6 dernières Coupes Stanley. Chicago-Pittsburgh a 4 des 6 dernières. Ouais, mais les Kings, oui. Boston, non. Ben, tu sais, Chicago, ils sont pas gros. Il était fucking huge. Boston en 2011, ouais. Boston en 2011, ouais, mais ça fait 5 ans de ça, là. Moi, je te parle de... Ils ont gagné. Ouais, mais il en gagnera pas une de sitôt non plus, là. Tu sais, c'est ça que je te dis. La Ligue nationale est en voie d'un changement. Il y a 5 ans, tout le monde jeune et rapide. Regardez jouer Columbus. Tout le monde est bandé ses pingouins, là. Mais en même temps, moi, je me dis juste... Chicago... Êtes-vous si cave que ça, le monde de la NHL, là, que vous suivez les modes, comme les vestons de Bergevin? Voyons, à un moment donné, vous n'êtes pas capable de vous asseoir et vous dire « OK, Chris, c'est vrai, ça fluctue. À un moment donné, il faudrait peut-être faire une ligne droite et essayer d'avoir comme un juste milieu de tout. » C'est un mix de tout, je te l'ai dit. Les équipes vont être rapides, mais des gars de 3e, 4e trio, tu vas en avoir. J'entends juste des bouts de mots. C'est un mix. Ça sera pas juste des petits joueurs. Il n'y aura pas 4 trios de gars de 5 pieds 9. Là. C'est pas ça que je dis. C'est pour ça que McCarron, pour moi, tombe dans mes intouchables, parce que c'est le genre de prototype de joueur qui va être de moins en moins repêché, qui va être, tu sais, regardez le Brown qui a été choisi par les Sénateurs d'Ottawa. Ouais, non, mais il va en avoir encore, il est 6 pieds 6, tu vas en avoir encore, mais il faut que le gars il ait du talent. C'est ça la différence, c'est que tu pourras plus juste un gros bonhomme, un Dave Morissette qui fait jouer sa 4e ligne, puis il dire ah ouais, vas-y, si tu vas embarquer, là, j'ai besoin d'une bagarre. C'est fini, ce temps-là. Va falloir arrêter de vivre dans les années 80 et les années 70. C'est juste fini, ce hockey-là. Allez, hey, boy, quand tu dis les bon, années 50, attends. Hey, là, monsieur là, qui veut closer en fermant avec sa phrase, là, je veux juste dire quelque chose. C'est pas juste le hockey des années 80, on parle du hockey qui dure depuis 100 ans. Okay? C'est 100 ans de hockey que toi, tu es en train de tasser de bord en disant que c'est quelque chose... Il est déjà tassé depuis des années. Je sais pas pourquoi c'est trop, mais je sais. Mais lâche le hockey de 100 ans, évolue. Il est tassé par les dirigeants, il n'est pas tassé par les... Non, évolue, c'est l'évolution. C'est l'évolution de tout. Toi, mais...
Toi, tu vas te faire couper ta paye, ils vont te dire c'est l'évolution. Tu vas te dire, hey, c'est l'évolution, si vous êtes dans le rapport, pit, vous chialez. C'est quoi le rapport de couper la paye avec mais un système de style de jeu de hockey? Ben, tu peux me dire où tu t'en vas, là? Ah, ils étaient divertissants, les boys, en tout cas. Non, non, mais tu me donnes une comparaison complètement boiteuse, rapport avec un salaire, quand moi je parle de l'évolution de la Ligue nationale de hockey, que les joueurs sont rendus trop talentueux. Tu vois ça comme de l'évolution, mais tu vois tout ce que la LNH fait comme évolution. Non, c'est le talent! À la LNH. Laisse-moi parler, Yannick, parce que sinon, ça va couper. Ça va couper, puis j'aurais pas le temps de parler. T'as parlé 45 minutes, là. Laisse-moi le temps de parler. Là. Moi, j'ai pas parlé pendant 20 minutes, puis tu faisais rien que ça parler. Mais non, mais tu parles par-dessus moi, mais après, quand on se réécoute, si on m'entend pas, on entend juste toi, c'est sûr. Yeah. Mais bon. Anyway, j'ai perdu mon point. Hey, j'en ai un, moi. Vas-y, l'évolution de la rivalité canadien-Boston s'est rendu de l'avant-match à hockey sans limite entre Eli et Yann. Tu veux que je sois robuste? T'en as, là. Quasiment ça. Non, non, mais pour moi, c'est, c'est l'évolution du hockey. Les joueurs sont tellement rendus du talent. Tout ce que la LNH va faire, tu vas y aller avec. Puis tu te poseras pas de questions, tu vas te dire c'est ça le hockey parce que c'est ça qu'on te donne. Mais t'oublie pas qu'il y a des dirigeants qui font peut-être des erreurs en haut. Et c'est des humains. Ça fait que, tu sais, oublie pas, toi tu parles de l'entité de la LNH, mais il faut pas que tu penses que tout ce qu'ils font c'est nécessairement bon. Des fois ils font des erreurs. Ben, j'ai jamais dit qu'ils faisaient tout de bon. Jamais. Je te dis que le talent des joueurs est tellement rendu. Tellement rendu haut présentement que c'est ça qui va prévoir. Le talent prévaut sur la grosseur. C'est comme ça de nos jours. Va falloir l'accepter. C'est comme ça. Ça me donnerait de chialer que c'est pas normal qu'ils prennent un gros qui frappe à la place d'un gars qui score 50 buts. Tu sais, là, à un moment donné, il faut évoluer avec ce que le hockey amène. Toute ton évolution a duré juste depuis 5 ans. Il y a 5 ans, c'était un autre hockey que tout le monde disait. Des années 80. C'est la même affaire qu'eux autres. Mais là, cette année, 5 ans plus tard, tu dis la même affaire qu'eux autres. Moi, tout ce que je dis, c'est que c'est la même affaire qu'eux autres. Je dis pas la même affaire qu'eux autres. Je dis ce que je remarque, que ce que je vois. Je m'en colle de ce qu'ils peuvent dire. Je le vois de mes propres yeux. C'est partout pareil. Le talent est partout. C'est du meilleur hockey. Le hockey de nos jours a jamais été aussi bon dans l'histoire de la Ligue nationale. Les joueurs ont jamais été aussi rapides, aussi intenses, aussi physiques, aussi... Talent... Nomme-les. Ouais, les joueurs, c'est vrai, par exemple. Ben, le c'est joueur, justement, c'est donc... vrai, la vitesse, c'est vrai, mais le rendu total du sport, spectacle ou mettons du match de hockey, tu penses que c'est meilleur que jamais? Jamais, que jamais. Puis les chiffres le prouvent. Les chiffres le prouvent. La Ligue nationale est passée d'une ligue en 10 ans. La Ligue nationale est passée d'une ligue qui valait en 10 ans. La Ligue nationale, pas en profit, en revenu brut, est passée d'une ligue qui valait 750 millions à 3 milliards. Ça, là, moi, ça me dit là, que les fans embarquent exactement là-dedans parce qu'ils savent que c'est ce hockey-là qu'ils veulent regarder, qu'ils veulent voir des matchs comme ça. Moi, si tu vas me voir un match, là, tu vas me voir 5 bagarres, tu vas me voir un match de 6-4, là, je vais aller voir le match de 6-4. Les bagarres, j'en ai rien à foutre. Mais là, tu parles d'un extrême aussi. Moi, je parle pas de l'autre extrême non plus. Je parle d'un juste milieu plus... Un mix, c'est ça. C'est pour ça que je dis... Moi, je parle pas du hockey des Nordiques. Il y a Guy, il y a du talent. Il y a Guy, il dit... Quand tu parles par-dessus nous, on va pas nous entendre encore. Il y a Guy qui dit, le talent n'est pas seulement à bas de 6 pieds, Yann. J'ai jamais dit le contraire. J'ai jamais dit de pas prendre un gars. J'étais clair pourtant. À talent égal, un gars de 5 et 9, un gars de 6 pieds 2. Le gars de 6 pieds 2 va être prévaloir pour un recruteur, pour n'importe quelle équipe de la Ligue nationale. Ça, j'ai aucun doute là-dessus. C'est pas ça que je dis. Je dis juste que le joueur plus gros, moins de talent, vous sera pas choisi en avant d'un gars qui a plus de talent qui est plus petit. J'ai jamais dit qu'un gars d'en bas de 6 pieds, puis automatiquement, que ça, si t'as plus que 6 pieds, que t'as pas de talent. Je savais pas qu'on était rendu à des stats exacts. Bon, on va passer à l'avant-match. Mais non, mais c'est parce que, ouais, écoute, on n'est pas d'accord là-dessus. Puis on peut pas en faire 6 ben, heures non plus, c'est parce qu'on sera jamais... Tant qu'à moi, c'est même pas une question d'être d'accord ou pas. C'est l'évolution du hockey. Ben, t'es pas que d'accord. Moi, je suis pas d'accord que c'est meilleur. Puis toi, tu penses que oui. OK, t'es en train de me dire, mais je vais t'envoyer une vidéo d'une game des années 90 ou début 2000. C'est pas grave. Tu vas l'écouter, la game, moi, pour le fun, Ellie. Je l'ai écouté la semaine passée, là, de 2002, OK? Puis je me suis endormi sur la game, tabarnak. Parce que sérieusement, là, c'était dégueulasse comme hockey. De l'accrochage à l'os, des gars qui n'avaient pas de patins. Oui, 2000, avait... là, tu parles des années de marde aussi. Là. Regarde, tu le dis, à cette époque-là, il avait fait un virage qui n'était pas excellent. Il y avait de l'accrochage de débile. C'était fou, oui, là. Non, ça s'accrochait, le gars. Ça se traînait sur le joueur. Je ne défends pas ce hockey-là non plus. Bon, à chaque fois que tu me mets dans mon point, tu me mets des esti de game de marde, genre à l'époque que c'était l'accrochage puis l'anti-hockey. C'est pas de ça que je te parle non plus. Je te parle d'un juste milieu. Je parle qu'on s'en va dans une dérive qui est juste d'un bord. Talent. Non, c'est pas juste. Non, la dérive va pas juste d'un bord. Il parle pas d'il y a 20 ans, il parle d'il y a 6-7 ans. Là. C'était pas mal. C'est vrai, là, t'avais un milieu entre les deux. Là, c'est rendu
que qu'est-ce que tu parles là, jeu de skills, puis juste ça. Ben, moins de rivalité, juste... moins de ci, moins de ça. Avec Boston, oui, mais en général, dans la Ligue nationale, t'as encore un mix dans chaque équipe. T'as pas d'équipe petite. La moyenne des équipes, la plus petite, c'est à 6 pieds. La moyenne là, globale canadienne, c'est 6 pieds 1. Ils sont grands. Puis quand je dis ça va laisser la place aux petits, j'ai déjà croisé une équipe junior, je pense, de Slovénie, dans le temps du tournoi junior. Là, dans le, il était au Centre Bell. Man, esti, j'étais un midget à côté. Là. Il était tout fucking huge. T'sais, c'est clair que ça va rester des monstres. Et il va toujours avoir des monstres pareils. Les joueurs grandissent. En tout cas, anyways. Yannick, t'es-tu perdu? Ok, je pense que c'est l'enregistrement qui a peut-être fucké un peu. Je sais pas. Ouais. Je pense que c'est mon internet. Une tempête de neige ici chez nous. Il y a du monde qui dit qu'ils nous ont perdu sur le chat. Je sais pas s'ils sont encore là. Moi, j'ai eu un message qui m'a dit mon brand était comme parti ici, mais okay. Tout joue encore. Arrête, la neige, elle sera même. De toute façon, continue pour le podcast. Le monde, il l'enregistre puis il l'écoute plus tard. Non, tout le monde me dit qu'on t'entend. C'est beau, c'est correct, c'est correct, c'est beau. C'est peut-être Jay, juste un petit fuck pendant qu'on parlait. Peut-être que ça a chié. Bon, je vais prendre les prédictions du monde sur le chat. Je vais vous donner tout de suite les statistiques avant d'y aller avec quel genre de match vous attendez, les boys. Les Canadiens, 41 points, premier de classement général. Les Bruins, 15e, 32 points. Les buts par match, Canadiens est passé au 4e rang à 3,21. Les Bruins, 24e à 2,31. Les buts alloués par match, Canadiens, 5e à 2,18. Boston est 8e à 2,38. L'avantage numérique des Bruins est à 13,95%. On peut dire que c'est à 14. 26e rang de la Ligue. Le Canadien 8e à 21,6%. Le désavantage des Bruins est excellent à 3e rang de la Ligue à 87,2%. Celui du Canadien est au 14e rang à 81,7%. Quel genre de match vous attendez, les boys? Je vais prendre les prédictions sur le chat. Allez-y. Moi, je vais marquer ça. Puis je vais me lancer mes boys, voir quel genre de match qui s'attend. Je vais commencer avec toi, Samuel. Quel genre de match tu t'attends ce soir? Avec ta prédiction, bien sûr. Ouais, ben je m'attends. D'après moi, ça va être une bonne petite game. Puis c'est ça. Si Carey Price l'emporte à soi, ça va être sa 250e victoire avec le Canadien. Fait que j'imagine que ça va être une petite motivation de plus. Puis ça devait être écrit dans le tableau du Canadien dans la chambre. Fait que juste pour ça, je pense que ça va être la petite motivation qui va faire que le Canadien va l'emporter. Oui, c'est un match piège parce qu'après une victoire de 10-1, j'imagine que la confiance est un petit peu trop dans le tapis. Ils sont sur une mauvaise séquence, fait que eux autres, ils vont vouloir se racheter puis venir gagner ça au Centre Bell à soir. Fait que, non, d'après moi, ça va être une bonne petite game serrée. Ça va être rapide. J'ai hâte de voir le Pastrnak, que je ne l'ai pas vu gros jouer. Mais j'en ai entendu gros parler. Là. Je sais qu'il y a des skills. Puis je pensais que c'était plus un fabricant de jeu, mais là, en plus, on voit qu'il est capable de la mettre dedans. Fait que non, j'ai surtout hâte de voir lui, là, voir ce qu'il va faire. Eux autres, ils ont changé le trio en plus. Puis d'après moi, ça va être une belle petite game encore à soir, mais le Canadien va l'emporter 4-2. À noter que Tukarask, ses 5 victoires en carrière contre le Canadien de Montréal ont eu lieu à Montréal. S'affiche au Centre Bell, les 5 victoires, 6 défaites, une moyenne de 2,09 et 930 d'efficacité. Puis je vais noter aussi que Carey Price contre les Bruins de Boston en carrière contre les Bruins de Boston, Carey Price a une fiche de 24 victoires, 8 défaites, 3 défaites en overtime, une moyenne d'efficacité de 9,23 et de 2,35. 24 victoires, 36 départs. Fait que 10% de ses victoires sont avec Boston. À peu près ça, oui. Price va dépasser, il va dépasser le plus grand gardien de l'histoire du Canadien, Jacques Plante, avant la fin de son prochain contrat. Il est à 64 victoires de dépasser Jacques Plante, si je ne me trompe pas. Si on calcule cette année plus l'année prochaine, avant de signer son prochain contrat, il va être le gardien avec le plus de victoires dans l'histoire du Canadien de Montréal. J'espère qu'il va signer à Montréal. Oh, je m'inquiète même pas pour ça. J'ai même pas la moindre crainte là-dessus. Bon, vas-y donc, Mike, ta prédiction à soir? Un peu comme ça, je m'attends pas mal à la même affaire qu'il a dit. Je m'attends à un match rapide. Je m'attends à ce que Carey Price soit en feu. Je m'attends à ce que Tukarask soit comme d'habitude contre Montréal. Je m'attends à ce qu'on gagne 4-2. Puis je m'attends à ce que Tukarask soit retiré du net puis qu'il se plante. Qu'il se plante la face dans la bande. Puis... Non, ça c'était avec des pics, ce bout-là. Il a perdu en fusillade, non, en prolongation.
Il était frustré, il sortait de la game. Bam, j'ai encore une image dans la tête. Ouais, moi aussi. Moi, tout, là, je viens de me rappeler des beaux souvenirs. Ouais, moi aussi. Bon, Élie. Ben écoute, moi je m'attends... Non, je te coupe là, ton herboriste. Ouais. Il se passe quoi avec l'herboriste là? L'herboriste, je l'ai coupé là, les amis, vous le savez, là, nous autres on c'est est sur un budget restreint. Il l'a coupé puis l'a fumé. Ben non, écoute, ça, c'est 40$ à chaque fois que je vois l'herboriste pour une petite prédiction, tandis que je suis tellement meilleur sans lui. Écoutez, je vais peut-être aller le revoir dans les playoffs quand il va être, ça va être vraiment là, important. Je dis pas que les matchs sont pas importants, mais tu sais, quand ouais, je mais c'est un sans-abri, 40$ là, c'est comme faire un don, là, dis-toi ça. Ben... C'est vrai, ça. Puis Chris, c'est Noël pour tu moi aussi. Tu gardes des grandes occasions, en gros. Là. Ben, c'est un herboriste. Là. J'achète pas de l'herbe. Là. Tout le monde pense que je me fume de l'herbe, franchement. Anyway. Guy, c'est ton herboriste pour regarder une scène. Moi, ce soir, je m'attends. Écoute, c'est simple. Ce soir, il va y avoir une bataille générale. Attends, non. Hey, les gars, laissez-moi aller. Le coach va pitcher des bâtons, puis il y a peut-être un joueur qui va aller se battre avec quelqu'un dans les estrades. Claude Julien, c'est bon sur la glace qui se battent. Moi, avec plein de gars avec des moustaches pas dedans, ça va être écœurant. Non, Claude ça Julien qui se bat avec un gars pas dedans, puis il n'y a pas de... Claude Julien qui arrache sa chemise, ça va être... Ah non, ça va être magique. Non, sérieux, je m'attends à un petit match ordinaire. Je pense que le Canadien va en arracher, même s'il va gagner quand même. Il va rester encore sur sa lancée avant de peut-être avoir un petit affaiblissement un peu plus tard. Mais je pense qu'il est encore sur le high de son 10-1. Il va gagner, mais ça gosse 3-2 ce soir, Yannick. All right. Les prédictions sur le chat. Puis hockey, il est pas meilleur qu'avant. Les prédictions sur le chat. Pops 3-2 Montréal, Benoît 5-1 Montréal, Sylvain 5-3 Montréal, ils sont confiants eux autres. Guy 4-2 Montréal, Rémi 3-2 Montréal, Biz, il a marqué 5-1 Montréal parce qu'ils sont dus puis que j'en pouvais parler de moi. Ça marche, Biz. Rav 4-3 Boston et la belle Stéphanie qui préside une victoire de 3-1 du Canadien de Montréal. C'est tout pour nous autres les boys. Hey, vive le hockey des années 2016. Vive le hockey des années 2016. Alors, j'aimerais vous dire... T'as pas le droit d'utiliser ton outro pour bloquer ton argument. C'est dégueulasse. Ouais. Ben oui, mais là, tu l'as fait, toi, ici. Bon, ben merci beaucoup d'avoir été là. Merci beaucoup, Mike. Ça fait plaisir. Bon match, tout le monde. Merci beaucoup, Samuel. Ouais, merci à vous autres. Toujours aussi divertissant. Ah ouais, on essaye. On se force pas, c'est vraiment naturel. Merci beaucoup, Élie. Ah, ça fait plaisir, man. Bon, ben là, après ça, on a 3 jours de congé. Vous allez vous ennuyer, je pense. Nous autres, on va s'ennuyer de vous autres. 3 jours de congé avant l'avant-match canadien. Vendredi, au Centre Bell, affronte les Sharks de San Jose. Vendredi. Donc, pas d'avant-match avant vendredi. 3 jours de congé pour hockey sans limite. Il va y avoir des choses qui vont être dites d'ici à là. On va devoir avoir un bon avant-match vendredi. Alors, on vous souhaite un excellent match du Canadien ce soir qui affronte les Bruins. Vous avez écouté Hockey sans limite l'avant-match. Suivez-nous sur Twitter à Commercial Hockey SL, page Facebook de Hockey sans limite, bien sûr, notre site www.hockeysanslimite.ca. Allez lire nos articles. Il est temps que ça finisse. Merci beaucoup d'avoir été là. Il fait des feintes avec ses mots. Merci beaucoup d'avoir été là. On se voit vendredi, 18h30, avant match Canadien-San Jose. Bon match. Il n'aurait pas fallu que tu me coupes.